Les gens, ils sont très limités, très normés, bornés. Vous allez voir, de l'île vide. Attends. J'ai que ça en choix de vêtements. Alors, on a la moule qui coule. Alors, il est où, 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 il est où? Quelle chambre miteuse. C'est miteux, ça. Big Bang Badaboom, c'est Gaspard a dit ça. Vraiment? T'as un bon petit goût, y a pas un petit porno là qui passe à la télé? Ça va, tac tac, la télé c'est chinois, on tape tous dans la coke, c'est parti. Bon allez, encore, on se casse. Reportant, j'attends, je vais regarder le règlement. Pour on en est, ouvrir son téléphone, F5. Team Ultra ou pas? Il en est? Ultra, parle. Très bien, j'ai compris. Bon allez, on prend un véhicule. Il faut absolument qu'on change de vêtements. Non, peut-être pas tout. Pas tout, Forêt Jever. Pas tout. C'est payant. Gaspard a dit ça? Ça va ou quoi, là? Bonjour, Kera. La beauté d'apporter mon véhicule. Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, par contre, non, non. Si tu viens faire ça, là, c'est nul. Là, tu proposes de la... Non, c'est de la merde, là, ce que tu fais, là, avec ton micro de merde. Bonsoir, bon. Big Badaboom, bonsoir. Ouais, je voulais savoir un peu ce qui se passe ici. Allez, bonsoir, amigo. Tu as besoin de quoi? Dis-moi. Ouais, ouais, ça serait pour mon véhicule. Attends deux secondes, parce que des fois, ça peut m'arriver de partir... En fait, comment t'expliquer? Pas bon, quoi, la piste de l'île, ma perquille, là, que je te bouffe le fiac. Ouais, voilà, donc des fois, s'il si prend le contrôle de ma personne, j'arrive pas à le Big Badaboom, tu vois. Je comprends, il y a plusieurs personnes dans ton corps. Ça m'entend, là, ou pas? Exactement, oui. Ouais, exactement. T'en fais pas, poteau. Pourquoi il m'entend pas, l'autant culé, là? Par contre, Iron Man, là, il y a moyen de faire un truc, là, sur mon véhicule? Bien sûr, est-ce que tu vois l'argent? Il a un trop bon micro, poudre de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu parles de ma bite? Ouais, bah, mets-toi la bonne. En plus, c'est... En plus, t'es à la bonne hauteur, là, tu vas pouvoir t'amuser, là. Mais c'est parfait, ça, donc. Allez, viens, on va derrière. Où bon, le stalker. Attendez, il faut que je prévienne mon maître. Le stalker, dégage, t'es mauvais. Finalement, dégage. Allez, viens, demoiselle. Vous me faites peur. Non, vous n'allez pas avoir peur, vous en faites pas. D'abord, quoi, t'es jolie, je vais même te caresser les cheveux. T'arrives. Sam, ça ne va plus. Notre maître nous a abandonnés. Ah, parce que vous avez eu un maître, hein, juste avant, là. Mais non, il est là-bas. Il est en train de faire pipi là-bas. Il arrive. Je vais m'installer ici avec un coussin. J'espère qu'elle va toucher à mon levier de vitesse, celle-là. Partez. Il y a un homme bizarre. Ah, bah, pourquoi vous voulez que je parte, madame? Ça va? Par contre, elle est sérieuse, la cherpée, là. Regarde. Est-ce que, s'il vous plaît, dans la zone... Partez de mon véhicule. Excusez-moi, c'est pour jouer la discussion. Nous nous en allons, excusez-moi. Non, mais vous enlevez vos masques dans une zone de ma serpée. Qu'est-ce qu'il raconte, ma serpée? Attendez. Attendez, mademoiselle, attendez, je reviens deux secondes. Ah, putain, quelle pute. Bon, Big Badaboom, qu'est-ce qui se passe, là, les gars? J'aimerais savoir. En fait, je suis là pour mon véhicule, j'aimerais bien qu'il soit customisé. Il se passe quoi, là, Big Badaboom? Ça va, c'est la télé, c'est le siloche. Il a la voix d'un mec qui joue dans un film, lui. De fou. Y'a pas de mécano? C'est qui qui a ça? Enchanté, mademoiselle. Alors, ça va, il arrive à vous contenter, votre mec, là? Il vous ramène. Ah, tu vois, c'est une classe A, ça c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Si vous voulez, mademoiselle, je peux vous faire changer de vie. Venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est que la vraie vie, l'aventure. Contrairement à ce Blacko. Alpha, montre-lui, c'est quoi une vraie vie? Il va pleurer, ça sert à rien. Regardez de choses en plus, ta chérie, quoi. Viens. Ouais, putain, regarde. Écarte, hein. Écarte, ça j'aime bien, ça, les meufs comme ça. Ça j'aime bien. Bon allez, rêve de plaisanterie. Ah tiens, putain, attends, il travaille. Attends, tu travailles pas sur une plateforme de... Ouais. Ouais, je de diffusion, ouais. Regarde tes cheveux violets, tout dégueulasse. Allez, va mettre du shampoing, casse-moi pas les couilles, là. Mets du shampoing aux œufs et me fais pas chier. Un idiot, acté. Oh, petit, tu vas te calmer déjà, s'il te plaît. Merci. Je veux bien me calmer, mais tout ce qui est petit, c'est toi. Je dirais même ta bite. Alors laisse-moi tranquille, je suis là pour customiser mon véhicule. Qu'est-ce qu'il va me faire encore? Putain, attends. Tout ce qui est petit, c'est moi, hein. Même ma bite. C'est la télé, c'est le cinoche, mec. Ok? Moi, je suis là pour draguer les donzelles. Moi, je suis là pour eux. Pour elles. D'abord, quand t'es osé, t'as. M'appelle qui, là, que je te bouffe le fiac? Oula, papy, là, oula, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas une canne, là? Que je te la fous dans le cul un peu, là? Ça va te détendre, là. Vas-y, viens avec moi. Alors, toi, mais t'es magique, hein. Bah ouais, c'est la télé, c'est le cinoche, ouais. Qu'est-ce qui se passe, alors?
Vous êtes impressionné? Alors ça manque de charisme? Il y a pas de répartie. Ah bah tu sais, avec mon, à mon âge, on bande plus, donc ta canne elle m'intéresse. Alors pas de soucis, t'inquiète, vas-y, attends, je vais faire poète poète là sur ton zgeg, allez, regarde, je touche. Oh oui. Regarde, allez, tiens le regard un peu, tiens le regard. Bon alors, la demoiselle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui tenir le levier de vitesse encore longtemps, hein? C'est à mon tour maintenant, allez. Vas-y, casse-toi de là, il est un peu con, c'est pas grave. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous en général, c'est parce que là, ils arrivent pas à me répondre, c'est dingue quoi. C'est vraiment si quand même. Bon, vénère, je baisse la jauge. Oula, salut, Weshman, comment tu vas? Tu peux me faire un truc sur mon véhicule? Bonjour, ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va, alors... me dis pas oula, ça ira très bien, t'inquiète. Est-ce que ton véhicule est où? Alors, c'est celui-là, Big Badaboom, alors fais pas attention, des fois j'ai une kill à kit, en fait, je change de watt d'un coup, comme ça, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. T'as beau quand t'es gorlé, t'as te bouffe le fiac. Ah ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, bah c'est bon, il comprend ma personne, ça fait plaisir. Je te mets ça dans l'intérieur de ton garage, c'est la télé, c'est le chinoche, on tape tous dans la coque, c'est nickel, allez, c'est parti. Bah non, excusez-moi, je crois que j'ai tapé dans le décor, vous en faites pas, je vais régler ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que c'est? Attends, mais attendez, je suis dans un bar à Tarlouse ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces couleurs là? T'as vraiment... Attends. Venez monsieur, venez. Ouais, je vous suis. Mais non, je suis jamais banni les gars, je suis en RP depuis tout à l'heure. C'est le personnage qui est comme ça les gars. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, un truc plutôt flight, ultra smooth, les écrevisses avec un petit flouze. Un truc assez aérodynamique, ultra jeans, pas des couleurs aussi flashy qui fait perlouse. Mais un truc, ouais, plutôt trans quoi. Oh, t'es marrant, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Tu vois, en général, les bicots, je les porte pas dans mon cœur, mais toi, je t'aime bien. Alors, comment t'as fait pour la frontière? C'est quoi un bico? Ah, un bico? Laisse tomber, pas prêt. Occupe-toi de customiser ça, voilà. Fais-moi un truc original, voilà, c'est très bien, ça. Ah, c'est pas mal, ça, la petite galerie juste au-dessus, là. C'est quoi, un bico? Ça va te rappeler le bled, ça, hein, quand tu rentrais dans ton bled en 405, c'est très bien, ça. Vas-y, continue. Quel bled tu parles, là? C'est la télé, c'est le cinoche, on tape tous dans la coque, mec. Allez, Big Badaboom, allez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Okay. Plutôt braque, vas-y, Rally. Les écrevisses, ils sont où, les écrevisses, tiens? Ouais, attends, ma bagnole, attends, elle est pas custom, là, mon pote. C'est pas custom, ça. Eh, c'est pas custom, ça, frère. Non, mais tu manques de respect aux gens, tu crois que... Ah, ça va, ça va, c'est la télé, mais ça va. J'allume une émission. Attends, toi, je vais prendre ta bagnole, là, ici. Le bled. C'était quoi? C'était la 405 break? Putain, j'arrive pas à la chourap, ça. Quoi? Ego sec. Récupérer ton véhicule à la fourrière. Pardon, attends, tu te fous de ma gueule, attends. Et ça va, on rigolait, mon pote. Non, ça va. Je te manquais pas de respect. Non, t'as manqué de respect, je suis désolé. Attends, c'est quelle partie alors? La 405, ça t'a rappelé des mauvais souvenirs, non, c'est ça? Non, mais c'est bon, c'est fermé. Tu peux... T'arrives pas avec les véhicules rétro, c'est ça? Dis-le que t'es pas à l'aise, hein. Regarde l'huile. Le joint de carbu, la tête de Delco. Regarde-moi ça. Regarde, il est habitué à traiter avec des beaux véhicules. C'est normal. Dès que je parle technique, t'es largué, mon pote. Non, c'est pas ça. Toi, tu vas te faire un stage au bled, ça va te rappeler ce que c'est que les 4L. Les vrais véhicules, ça tient le désert. Les Méhari, t'as connu ça un peu dans ton époque? Tac, tac, Big Badaboom. Regarde, t'as rien dans le froc. Attends, je te touche, je te palpe la bite. Regarde. Y'a rien, je sens rien, tu vois. Tu veux faire un tour avec la Bugatti? Ouais, je veux bien, ouais, mais je sais que tu te fous de ma gueule, c'est ça, ouais. Non, tranquille, monte. Ok, je monte, on verra bien. Ah putain, c'est incroyable, il monte. Attends, c'est bon. J'espère que ça sent la fouf, rien, putain. Elle... À cette heure-là, j'aurais planté une snake juste ici, là, tu vois, c'est bien rebondi. Ouais. Tu vois le problème avec des mecs comme toi, tu vois, qui sont trop axés dans le travail, t'arrives pas à te détendre, va au pute un non, peu. Non, je suis détendu, t'as vu, je suis venu, t'étais bon délire et tout. Bah ouais, je suis bon toi. Délire, mon pote. Non, je sais, mais là, après, tu viens, tu dis des trucs bico, je sais pas mais quoi. Mais t'inquiète trucs, pas, t'en fais pas, mon pote. Hé, hey, entre ouais, nous. Attends, ouais, mon gars. Arrête, t'as un truc à faire, voilà. Urgent, hein. C'est urgent. Urgent de ouf. Attends, mais moi, c'est voilà, encore à Wallaman, tu vois. Salam alaikum, tu vois. On est de la même famille, frère. Ouais, attends, du coup, je te disais, t'es là, tu manques de respect, tu dis des trucs un peu. Mais ouais, bah alors, je suis désolé, je voulais pas te manquer de respect, mon pote. T'es un frère pour parce moi. Que là, non, mais non. Reste tranquille avec les gens, t'as vu. Parle normalement, dis pas des trucs bizarres, t'as vu. Mais attends, moi, mais je suis tranquille. Moi, je suis Gaspard. Attends, tu m'acceptes comme je suis. Je suis un package, mec. Tu m'acceptes avec.
Non, mais attends. T'as vu, là, je te parle sérieusement, t'as vu? Là, tu joues un rôle et tout, moi, je te parle sérieusement. Qu'est-ce qu'il me raconte de jouer un rôle? Attends, moi, je suis Gaspard, je suis authentique, c'est l'authenticité même. Bon. Là, j'allais faire un truc, mais on va voir, ça va dépendre de comment tu réagis, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Attends, et je te la caresse, attends. C'est quoi, je te caresse? Non, mais non, je suis amitié. Non. C'est quoi, t'es un raciste? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends. Il n'y a pas le temps. Malikoum Salam, comment je pourrais être raciste? Attends, je suis très porté par l'huile d'olive. Récemment, Rouya, la fête de l'Aïd. Oh, qu'est-ce que je me suis régalé. Argène, sympa pas. Votre famille, là, avec les petites pâtisseries, les Zlébéa, là. J'ai bien aimé. Vas-y, ok. On est en urgence, gros. Vas-y. D'ailleurs, c'est étonnant, tu ressembles à une bugne. Julien. Allez, Zélabiaman, vas-y, viens. Attends, viens. Range ton véhicule, c'est bon, allez, je te caresse, allez, je te masse la cuisse, tu vois. Oh putain, attends, tu fais de la muscu, toi, frérot. Ça va, t'es friendly, toi, t'es amical, amitié, allez, amitié. Je vais te buter, gros, si tu restes, vas-y, bouge. Tu l'as même dit, on a eu un bon contact au début, attends, oui, je me rattrape. Oui, mais non, mais tu dis des trucs de raciste. Mais c'est pas raciste, attends, et comment, pourquoi tu m'accuses? Je suis pas comme ça, je t'assure. Eh, désolé, mon pote, c'est bon, c'est la télé, c'est le cinéma, frérot. Attends, comment c'est possible? Encore hier, chez l'épicier, c'est ouf. Je me suis pris un demi-poulet chez Mohamed. D'ailleurs, super bon. Et d'ailleurs, tiens, je tiens à te signaler que la viande halal, c'est un meilleur goût. C'est un bon petit goût. C'est un goût neutre. C'est un bon petit goût. Putain, le gars, il sort du personnage. Putain. Oh, s'il savait en plus. S'il savait. Putain. Putain, c'est dingue, quoi, les mecs, c'est ouf. Rien de raciste, quoi. Ça y est, tu dis un mot péjoratif, direct, t'es targué alors que je joue un rôle, quoi. C'est n'importe quoi. Eh, hey, Gaspard, vas-y, bouge. C'est bon. Putain, attends, je vais appeler les flics parce que là, tu commences à m'énerver. Pousse-toi. Attends, mais c'est quoi, ces mecs? Passez-moi une voiture. Bon, bon, les arabageois, là, allez, c'est bon. Et je monte dans votre véhicule, c'est bon, les... Descends, s'il te plaît. Vas-y, amène-le au pont, gros, et puis... Les gars, tranquille. Ah, je suis avec vous, les gars. Les rouillas. Je vous assure, je ne suis pas ces gens-là, hein. Bon, écoute-moi bien, parce que ça commence à bien faire, là. Hein? Dis à ton pote de se calmer. C'est anti-arabe. C'est quoi ces bines de raté, là? En plus, il l'a mis sur son téléphone. Eh, gros, recule, s'il te plaît. Ça va. Ah, pourquoi tu m'agresses? Attends, tu viens de me salir là, touche-moi pas les pattes là. Ah. Casse tes couilles, fils de. Dis-le en face, t'as pas les couilles. Casse-toi! Dis-le en face. Eh, je suis pas une meuf, je suis un mec. Je m'en bats les couilles. C'est pas une matraque, c'est ma bite. Bon, il me faut une bagnole, putain, il me faut une putain de bagnole. Très bon tracking. Putain, il faudrait. Bon, ça, tu me diras, au moins ils vont. Ah, merci, ça, c'est gentil, ça. Vas-y, monte. Non, Riri, c'est Yacine Abou Daoud. Ah, là, c'est mieux, là, j'entends bien, là. Voilà, ça, c'est pas Manouchak, c'est au niveau des Bindouz. Voilà, ça, on aime bien, tu vois. Là, c'est à l'américaine, c'est la télé, c'est le Cinoche. Allez, Yacine Boudaboud, on y va. C'est Yacine. Oui, Bel Azouz, c'est ça? J'ai entendu un truc comme ça, Rabzouzed. Abou Daoud. Très bien. Allez, Yacine Boulawan, allez, on y va. Tu fais quoi dans la vie, Yacine? Yacine Boulzer, ça va? T'as l'air tout timo. Yacine? Oui, Yacine. Abou Daoud. Oui, j'ai compris, ça va, hein. Yacine Abaoud, c'est ça? J'ai plus, ouais, c'est vrai. Tu viens d'où? Non. Oui, quoi, non? Non, Riri, c'est Yacine Abou Daoud. Tellement absurde, ça me fait. Ouais, bon, ma parole, tu te fous de ma gueule ou... écoute-moi, Yacine, c'est bon. Ça ira. Allez, hop, je t'emmène avec moi. T'es gentil, toi. Alors, en général, j'aime pas les gens comme toi, mais toi, je t'aime bien débouillant. T'es une rigolade. Le mec, il a trois mots. Oui, c'est bon, calme-toi, ça va, je t'emmène. Je te ramène, t'es mon frère, toi, je te ramène. Yacine is no good. Et tu fais quoi dans la vie, ça va? Tu vends du fromage, t'es dans les marchés, c'est ça? Oh, quel con.
Il est mono-bind. T'imagines le mec, il arrive à faire un meilleur RP que certains juste avec un bind. Il va plus me faire rire que certains joueurs sur serveur, c'est sûr et certain. C'est sûr. Car j'en suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr. Je pense que quand on était sur Insta, à mon avis, Yacine, qui est d'ailleurs là dans le chat, les gars, je pense pas qu'il se serait douté un jour, quand il a envoyé l'audio. Non, que ça allait partir aussi loin. Jamais il s'est dit ça, je crois, à mon avis. Non ? Ça va trop loin, cette blague. On arrête ? Non, bah on continue, c'est trop marrant. Franchement, un jour, ça va me lasser, mais pour l'instant, non, ça me fait rien. Il a envoyé ça comme une bouteille à la mer. Je fais, vas-y, tu sais quoi, franchement, quand je l'écoutais pour la première fois en plus sur stream, c'est... Bon, par contre... Ah oui, nice, ça, c'est bien, ça. Bon, bah voilà, viens ici, c'est une boule laser, vas-y, viens. On va aller voir les flics. Je peux même montrer ma teub. Merci, Shaper, qui s'abonne à nouveau. Comment t'as connu cette chaîne? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'abonner? Laisse un petit message. Ça, on apprécie, les gars. Mettez-moi des petits skimés pour lui, on l'accueille. Libérez Léo. Bon, écoute-moi, connard, là. Ça t'amuse à siffler, là? C'est bon, ils vont pas tarder à arriver. Pourquoi tu siffles, Léo? Libérez Léo. Libérez Léo, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, Yacine, Boula, tu viens? Parle-lui à lui, là. Yacine? Ouais, Yacine, oui, je connais ton nom, ouais. C'est Yacine? Oui, c'est Yacine, oui. Yacine, oui. Boulaoud, c'est ça? Abou Daoud. Abou Daoud. Et pourquoi la police ne vient pas, là? C'est devenu une icône, carrément? Qu'est-ce qu'ils font, là? Attends, mais c'est pourquoi les flics viennent pas, là? Putain. Je vais essayer de récupérer une bagnole.